Le président syrien Bachar al-Assad a rassuré son homologue russe Vladimir Poutine sur le fait que son administration respecterait le cessez-le-feu programmé. L'accord a été conclu par Moscou et Washington et le cessez-le-feu commencera vendredi à minuit. Discutant par téléphone, Assad et Poutine se sont mis d'accord sur le besoin de continuer la guerre contre les groupes désignés comme terroristes. Toutefois, un négociateur de l'opposition syrienne a fait savoir que les forces rebelles devaient encore décider si elles s'engageaient envers un cessez-le-feu. L'opposition avait auparavant imposé des conditions à une trêve comme la fin des blocus, la libération des détenus et l'arrêt de frappes aériennes. Poutine a également discuté du cessez-le-feu avec le roi Salman d'Arabie Saoudite et le président iranien Hassan Rouhani au téléphone. Le roi Salman a déclaré que son pays travaillerait avec la Russie pour faire de cette trêve un succès et Rouhani a lui déclaré que le combat contre les terroristes continuerait.